Entre 2010 et 2012, les statistiques combinées de l'International Rescue Committee, de l'UNFPA et de la Coordination nationale de lutte contre les violences basées sur le genre ont répertorié environ 5300 cas de violence, dont 1393 cas de viol en Côte d'Ivoire. J'ai été victime de façon indirecte par mon voisinage. Cette dame-là qui était tout le temps battue, cette femme était enceinte de 8 mois. Malgré cela, son mari la battait, son front fondu un peu partout. Nous avons traduit notre voisin, son mari, bien évidemment, à la police, en espérant qu'il allait être puni. Malheureusement, on ne sait pas comment, avec ses relations, il a été relâché. J'ai reçu le témoignage d'une jeune dame qui, bien qu'elle ait eu un enfant déjà, avec ce même monsieur qui désirait la marier, le monsieur a exigé que la fille soit d'abord excisée. Elle a été contrainte de se soumettre à cette pratique. Face à cette situation, le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement, MESAD, met en place un projet de lutte contre les violences basées sur le genre. Il contribuera à la prévention et à la prise en charge des femmes victimes de VBG. L'objectif du projet, c'est de soutenir les communautés à prendre conscience que les violences basées sur le genre sont un fléau pour leur développement. C'est aussi de veiller à faire en sorte que les femmes soient mieux protégées. Les zones d'intervention du projet sont les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro, ainsi que les régions de Gbeke et du Yombol. Le projet de prévention et de prise en charge des femmes victimes de VBG s'élève à environ 235 millions de francs CFA, financés à 80% par l'Union européenne.